Adama Traoré un non-lieu pour les gendarmes qui auraient été impliqués dans sa mort. La justice a prononcé un non-lieu pour les trois gendarmes qui avaient interpellé Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016, dans la caserne de Persan, dans le Val-d'Oise, près de 2 heures après son arrestation. Les magistrats chargés des investigations sur la mort en juillet 2016 d'Adama Traoré, érigé en symbole des violences et du racisme dont sont accusées les forces de l'ordre, ont prononcé un non-lieu pour les gendarmes qui l'ont interpellé. Cette décision met un terme provisoire à une enquête houleuse centrée sur des expertises médicales contradictoires. Maître Yacine Bouzrou, qui défend la famille du jeune homme mort à 24 ans et qui dénonce de longue date la conduite de l'enquête, a indiqué sur Instagram qu'il faisait appel de cette décision. Cette ordonnance de non-lieu, qui contient des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit, déshonore l'institution judiciaire, d'après lui. L'objectif, en faisant appel de cette ordonnance, est, selon l'avocat, que la Cour d'appel de Paris puisse appliquer le droit dans cette affaire en renvoyant les gendarmes devant une juridiction de jugement ou un débat contradictoire pourra dire si les violences ayant causé la mort d'Adama Traoré étaient ou non proportionnées et nécessaires. Dans un communiqué à l'AFP, Maître Rodolphe Bosselut, Sandra Chirac-Colaric et Pascal Rouillet, qui défendent les trois gendarmes impliqués dans l'arrestation, ont au contraire salué une décision logique et conforme à la réalité quant au caractère légitime et proportionné de l'interpellation d'Adama Traoré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à venir faire un tour sur la chaîne YouTube, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, partager, liker, commenter. Je vous souhaite une agréable après-midi. À la prochaine!